pour la deuxième année, le CRKC est très fier d'organiser ici même à Saint-Symphorien-sur-Coise ce deuxième critérium cycliste. Et cette année encore, les coureurs ont répondu présents. C'est un peloton de 62 coureurs, ce qui est vraiment très très beau pour un vendredi après-midi. Sur 62 coureurs, je crois qu'il y a 26 clubs de représentés. Donc ils viennent bien sûr du Forêt, du Rouennais, mais on a également des gars qui viennent beaucoup plus loin, du Caladoire. C'est pas très très loin de Saint-Saint, mais quand même, on sent que le Grand Prix de Saint-Saint est connu et le Critérium en bénéficie aujourd'hui. Et on a une très très belle équipe polonaise avec des garçons qui, dans quelques instants, pourraient bien créer la surprise. Les caractéristiques d'un critérium, c'est d'abord d'être en ville, d'être très présent sur le centre-ville. Un circuit qui développe 1,8 km à faire 45 fois. Donc c'est vrai que c'est très spectaculaire. C'est un parcours super technique et il est quand même très usant. Du coup, il y a beaucoup de relances et c'est vraiment un joli circuit. C'est des courses qui sont très festives, où il y a toujours beaucoup de monde dans les arrivées, donc c'est vraiment sympa à faire comme course. Cette fête, elle est historique sur Saint-Symphorien-sur-Coise. Aujourd'hui, elle est attendue, et donc c'est très important pour nous de continuer cette tradition. C'est important aussi, puisque ça met dans le centre une animation extrêmement intéressante, sur laquelle les associations, les commerçants, et notamment il y a l'adjoint au sport qui est mobilisé pour faire en sorte, avec le comité des fêtes, que cette fête soit une grande réussite et que tout le monde s'y retrouve. On est très vélo à Saint-Symphorien, parce que nous avons fait pendant 54 ans une course d'élite. Cette année, on a organisé le deuxième critérium et on a souhaité qu'il soit dans le centre du village pour faire participer le commerce local et redynamiser un petit peu la course. Ce soir, donc, on a une paella géante, il y a un groupe musical qui est porté par la mairie et puis on a un accordéoniste local qui nous suit toujours dans toutes nos animations. J'ai vu deux Polonais sortir quasiment au départ, du coup j'ai décidé de partir à mon tour. Il y a un des deux Polonais qui a chuté en début de course, du coup on s'est retrouvé vite à deux devant. On a pris la minute, après je savais que c'était des joueurs entre nous deux. On a fait que gérer l'écart et dans le dernier tour, j'ai senti que j'étais le meilleur. Du coup, je suis sorti tout seul et fini tout seul. Les Bressans se succèdent, troisième victoire pour le Bressan. Ouais.